Let's go. Se regarder, oh, je sais pas, oui. Bon, alors, de toute façon, il ne voit pas de balle, donc il m'intéresse pas ce type. Allez, tiens. Bon, je veux quand même lui vendre des trucs. Welcome. Got some rare things on sale. Alors, what are you selling? Is that all? Thank you. Ah. Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Bon, on va optimiser le lui juste pour la contenance, pour avoir des balles en fait. Donc voilà, comme ça, au lieu de le vendre et de après ensuite de dépenser 30 000 pour le racheter, bah, il suffit juste bah, là de mettre 20 000, donc j'économise 10 000 quoi. Et comme ça va me donner des balles. Et ça c'est cool. Oh, je peux même le faire encore plus puissant en fait. Je peux le mettre un 15. Ouf. C'est tentant. Bon, nickel. Ça, c'est cool. Thank you. Voilà, un 7 c'est mieux. Voilà. Je suis à 101 000 là. Bon, lui, il reste assez haut. Fusil, peut-être tous, maximum. J'hésite entre. Bah, après, on trouve plus facilement des balles de fusil que des balles de Magnum, donc autant peut-être l'améliorer. C'est tout, stranger? Thank you. Voilà. Come back anytime. Voilà. On va re-sauvegarder. Donc, alors lui il est plein, lui aussi, lui non, pardon. Bon, voilà, c'est cool. Ah, je vais, faut que je lui achète un soin, putain. Faut que je lui achète un soin, putain, parce que là. What are you buying? Is that all? Thank you. Voilà. Bon, nice. Apparemment, vous avez vu, il m'a envoyé un soldat l'autre. Alors moi, je me rappelle d'un boss aussi, c'est un soldat, mais je crois que c'était Wesker dans le Resident Evil 5 où on se bat couteau à couteau. Donc je sais plus si c'est dans celui-là, mais je pense pas que c'est dans celui-là. Hein. Je confonds avec le 5 quoi. Bon, ils sont pas méchants eux. Alors, il a collé une balle de la tête à lui. En plus, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus. T'as beau améliorer ton arme, pour ça. Ouais.
Ouais, fallait que je m'en doutais. Voilà. On est dans la mine. Ok. Bizarre comment elle est positionnée le wagon. Bon, ça va, il est encore sur ses rails, mais. Là, il y a du monde. Il y a du beau monde. Je peux utiliser ça pour les faire chier. J'y vais. Ouais. Lui il me fait chier lui. Parce que j'ai tendance à beaucoup l'utiliser, donc il faudrait que le mette à la place de lui en fait. Voilà. Échangez vos places et vite. Venez si vous l'osez. Toi qui viens, je vais lui donner un coup de couteau. La technique de l'échelle. Très efficace. Ouais, il y en a un haut là. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? Merde. Ah, s'ils ont vu ses potes. Cool. Voilà, venez. Il y en a un qui s'est pris un deuxième coup de couteau, il est pas mort. Alors que l'autre il était mort au deuxième coup de couteau donc. Wally. Je suis content. Si je lui tire dessus avec le flag, il tombe lui. Il est pas assez près du bord. Il y a un truc que ça roule. Des leves. Ah mais il y a un gus putain.
Il a une hache. Bon voyage. Je suis là. Oh, c'est le mec à la dynamite, merde. Oh le bâtard. Oh, c'est une blague. C'est une blague. Je déteste ces types. Il est mort l'autre. Ouais, je pense qu'il est mort. Putain, il a eu le temps de lancer sa dynamite. Mon dieu. Quand les réflexes chez moi, c'est waouh. Aujourd'hui c'est zéro. C'est 0 sur 0. On va mettre ça d'abord. Un disjoncteur. Le courant arrive, je n'ai plus besoin de m'en servir. Ah ouais, j'ai compris. On va mettre le courant, ensuite il faudra activer le disjoncteur, blablabla. On va faire des allers-retours. Exact, on va faire des allers-retours. Le disjoncteur. Waouh. Waouh. Je savais pas. J'aurais dû réfléchir. J'aurais dû deviner que ça allait se passer comme ça. Les Dynamite Men. Oh merde. Shit. T'es tout seul ou t'es avec tes potes? Faut me dire. Je sais même où il est. Bon bref, ouais peut-être ça, je sais pas. Après une bonne de Magnum ça lui ferait du bien aussi. Ouais c'est vrai. Je sais pas. Je le sens pas moi putain. Qu'est-ce que j'ai jamais visé bien sûr. Oh là, ça y est, ils vont me faire chier. Bien joué, homme à la hache. Cramé, bande de bâtards. Tout ce que vous méritez. Fils de chien. Bravo, bravo, bravo. Ah bah putain, ah bah putain. Ah les grenades, c'est plus ce que c'était. Hein. Toi ta gueule. T'es deux toi. T'es deux aussi toi. Boum boum boum. Aventi toi. Une plante en plus. Ok. La dynamite, Je suis quoi avec la dynamite? Bon, de toute façon, je vais la poser quelque part, c'est sûr. Si? Examiner. Ces plagas sur le rocher semblent avoir été fossilisés ou même momifiés. Ces paralyses ont l'air morts. Ouais, c'est bien, mais excuse-moi. Ça me fout.
Bon. C'est le bout de tout ça, mais... Ah, il y a un rocher là. Ah, c'est ça. Putain. Quand la grenade fera boum... Rocher là. Brême. Cool. Bon bah j'imagine que le boss il est là. Non. T'imagines bien, ouais. Toujours bon, ok. Cool. C'est clair que j'en aurais besoin. Bon. Dans un tour pour voir qu'est-ce qu'il faudra que je fasse. Ben, je sais pas. Il y a une échelle là-bas. Je veux voir. Il y a quoi en haut? Une tyrolienne. Ah oui, ça sera pour ouvrir le bordel. Il faudra que je fasse ça. Et que je fasse ça. Actionner. Pour le faire tomber dedans. Ça roule. Ça se referme tout seul, hein. Ou alors j'ai gâché ma chance. Et de 1. T'es pas content? Il est pas content. Cet appareil est verrouillé, impossible d'utiliser une nouvelle fois. Ah ouais? Bah d'accord, bah fallait me le dire, bande de fils de pute. Ah les bâtards. Putain, bien. Putain, si j'aurais su, bah j'aurais essayé de les tuer les deux en même temps, hein. C'est... dégoûté là, putain. Ça fait chier là, je vous le dis. Hein. Celui j'ai des balles. Il est où le magnum là? À toi. Ah, ça peut faire des balles lui aussi. Oh, un bon bouffeur de balles, hein. Putain. Putain, ça me fait chier quand même, putain. J'ai envie de mourir
pour recommencer, pour essayer de les avoir les deux en même temps. Ouais, je crois que je vais essayer de faire ça parce que si ça peut me faire économiser des balles, je dis pas non. Ah, du coup. Montez. Je suis mort de trop. Bon, nickel, ça c'est fait. Ouais, c'est largement possible de les avoir les deux en même temps. Hein, c'est... Donc voilà, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'avoir les deux en même temps. Ouais, je sais pas si c'est possible. Franchement, je pense que non, parce que... Ouais, quoi. Je pense que c'est pas possible. Mais bon, c'est... on va voir. On va voir. J'aime ça. Ouais, bon, on peut pas, ok, j'ai compris. On ne peut pas. Eh ben tant pis, on peut pas. Balle. Oh putain, il a failli m'avoir. Je vais utiliser ça, mais juste pour m'éloigner assez pour le tirer dessus, parce que putain, sinon mes balles, je vais les tirer dans le vide. Malheureusement. Ah bah le bougre. Le fils de pute, j'ai envie de dire même. Putain. Monsieur bouffeur de balles. Putain, le nombre de boss qu'on affronte dans le jeu, c'est juste hallucinant, putain. Après il y aura le soldat. Lol. Ça va être marrant. Ah non, c'est pas le moment. Ouais, vas-y. Des fois, Léon, il a fait qu'à sa tête. Hein. Ah, ça les chatouille, c'est tout. Tyrolienne attire la Rico, c'est ce qu'on va faire pendant tout le combat. Je vais lui mettre des balles de sniper aussi, tant qu'à faire. Pas de raison. Ouais.
temps que ils me remettent en game. Bien joué. Je savais même pas qu'il pouvait faire ça alors que lui. En fait, je joue mal. C'est juste abusé. J'aurais dû attendre qu'il chope l'armoire, ensuite de prendre la tyrolienne. Mais tant que le cerveau il comprend vraiment ce qu'il faut faire, ça fausse. Ah là, il a chopé l'armoire. Là, c'est cool, putain. C'est nice. Allez, retourne-toi vite. Oh, j'ai plus de sniper, merde, putain, fais chier. Oh, une balle, génial. Il est même pas mort. Il est même pas mort. Qu'est-ce qu'il lui faut? Qu'est-ce qu'il lui faut? Dites-moi, je comprends pas. Pas les couilles du tout, il est incroyable. T'as les boss dans ce jeu, mais je peux vous dire que regardez, putain, le temps que je veux bouger. Ouais, putain, la vache, il a fait quoi là? Ah, d'accord, gaffe, il va courir. Oh, fais chier, t'as tous les balles que j'use, putain, pour lui. Putain, si j'aurais su, j'aurais acheté un deuxième RPG, hein. Je vous jure, hein, parce que là, putain, voilà quoi. Ça, bah, ça fait chier quoi. Oh putain, c'est... 3 balles dans le vide. 3 balles dans le vide. 3 balles, 3 balles. C'est de pire en pire, hein. C'est de pire en pire. Allez, veux-tu mourir? Vise. Voilà, ça lui fait que dalle. Ça lui fait que dalle. Oh là, il s'est retourné, putain, une vitesse, le fils de pute. Oh là, vous savez que je vais sortir de lui, j'aurai plus de balles. Hein. Je vais sortir de l'arène, j'aurai plus de balles. Quoi. Donc c'est cool. Donc je vais charger. Je vais acheter un RPG et voilà, et puis voilà, comme on... Je pense que ça va se terminer comme ça, hein, parce que là... Oh, allez, vas-y, c'est quoi, allez, vas-y, j'en ai marre. C'est bon, ça dure trop longtemps ton truc. On va charger, parti, ouais. On va charger. Je vais acheter un RPG et puis voilà, quoi. Le deuxième, je le fous dans le feu et puis lui, bah, il se bouffait un RPG, quoi. Parce que putain, c'est pas la peine. Welcome. Faut vraiment qu'ils arrêtent leur délire. Putain. Alors, RPG. Il me reste combien de sous? De toute façon, c'est bon, je suis largement bon. Ouais. Stranger. Alors, faut que je fasse du rangement déjà. Ah, j'aurais dû faire du rangement avant. Bon, bref, on va le faire quand même maintenant. Alors, on va faire ça. Alors, comme ça. On va le foutre là. Bon. Ça, il va me faire chier lui maintenant. Ça, c'est que je foutrais là. Toi ici, toi, lui, je sais pas le foutre, lui, putain, c'est... Lui, faudrait que je le foute là, voilà. La plante, il faut que je la foute là. Voilà, elle, la verte aussi. Nickel. Blablabla. Tu sais quoi, allez, vas-y. Attends, je suis con. Attendez. Comment je peux faire? Je peux faire ça
je peux pas la prendre. Parce que j'aurais voulu la combiner, et ben non, je peux pas. Comment je vais faire? Je sais pas, je peux peut-être la mettre comme ça là. Ben voilà, nickel. Ouais, est-ce qu'il rentre le. Lui là, putain. Voilà, parfait, on est bon. Thank you. Bon, oui, bien sûr. Tant qu'à faire, mettons. Sans double choix. T'es un peu chill, mec. Thank you. Come back, Eddie. Voilà, bon, on va devoir affronter les gogoles. Bah oui, bah, c'est comme ça. Hein, qu'est-ce que je vous dis, moi. C'est la vie. C'est la vie qui veut ça. Donc on va le faire avec plaisir. Putain, incroyable. Bref. Bon, il y a d'abord eux là. Ils ont mon pistolet, hein, il est là maintenant. Je vais utiliser une arme que j'utilise jamais, celle-là. Je l'utilise jamais, c'est incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, merci. Bon. C'est lui qui crache du feu, non? Il crache pas du feu dans mon, normalement. Allez, attends. Ah, même pas en fait. Ah voilà, si. Je me disais, putain. Je me disais que ce monsieur il crachait du feu, putain. Je foutais de ma gueule. Ok, ok, ok. Je leur balancer là. Bonne grenade là. La gueule. Yeah. Oh, j'ai fait une triplette, je crois. Ouais. J'ai fait une triplette. Écoute. Bon, lui, c'est aussi un mec du feu, donc ouais, bah, pareil. Bon, lui, il a une hache là-bas, donc ouais. Ce oh, je t'avais oublié lui, putain. Déjà mort toi, non? Ah bah si, bizarre. Bizarre. Voilà. T'es comme moi toi, t'es pas réactif toi. Oh les balles, un chargeur presque hein. Il reste 4 balles là. Putain la vache. Ouais. Un chargeur quoi, je c'est. Après je l'ai pas optimisé le flingue, donc voilà quoi. On va dire que c'est normal. Quoi? Ah, faut que je fasse le contraire, putain! Oh le poulet, putain! Ah,
C'est le bullet time là, putain. On connaît la musique. Zizi peu. C'est un mec qui est avec une hache ou. Oh, il faut chier. Une balle de magnum à l'autre. Voilà. Dynamite. Il se l'est pris la dynamite dans la gueule, ce con. Allez, au revoir. Bon bah ça c'est fait. Bon les deux Google maintenant. Nice. Alors. Ouais j'en ai trouvé en plus de ça, c'est. Je suis content. Un frère Rodolphe et un. J'ai mis tellement de temps à tirer. Au moment où je tire, il se passe quoi? Bah, il se passe que je le rate. Ah ouais, je suis de ce niveau, moi. Allez, écrabouille-moi la gueule, putain. Écrabouille-moi la gueule, c'est tout ce que je mérite, putain. Oh la vache, putain. Tiens. Connard de lion de merde, fils de pute de ta mère à chaîne qui ont jamais dû t'enfanter, pédé. Putain, incroyable. Incroyable. Waouh. Putain. Je le savais,
Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Je m'en doutais que ça allait se passer comme ça. Je me connais tellement, putain. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tire maintenant? Voilà quoi. Putain, décidément, ils vont prendre la tête. Vas-y maintenant. Voilà. Bon, la comparaison est bien. Non. Waouh. Quoi, à la cinquième tentative de la cinquième tentative? Non, là, hein. Je crois qu'on est à la cinquième tentative, hein, je crois. Hein. C'est peut-être même la sixième, hein, je crois. Hein. Putain, karma, des fois, ben voilà, ça charme. Voilà, là, on est bon normalement. Hein. Putain, on a réussi, MDR. C'est ouf. C'est ouf. No comment. Si mourir rechopé, je sais pas ce que j'aurais fait de la bête. Hein, mais... Je pense pas qu'elle, je pense pas qu'elle aurait survécu. Hein. Donc, alors, comme je suis bebeu, je sais pas d'où je viens, donc il faut que je regarde la map. Alors, il faut que j'aille par là, quoi. Ouais. Attends, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Putain, c'est un régal, mais l'XP, c'est comme tout. Alors ça, c'est là d'où je viens, ok. Ouais, donc c'est tout droit, quoi. Bon, il y a des trucs à recharger là? Non, c'est bon, non, non. Juste ton flingue quoi. Oh putain. C'est pète de merde maintenant. Bon, il faut que je fasse quoi là, putain? Je m'appelle plus moi. Oh, ce jeu est tellement horrible. On est d'accord, il est horrible. Il est horrible, c'est... Un messager, les deux lumières éclaireront à nouveau le chemin. Ah bah ouais, mais... Donc faut que je dise quoi, il faut que je fasse quoi là. Putain. Il faut tellement me faire chier eux. Ils vont me faire chier, mais je crois que vous n'imaginez même pas. Putain, ça c'est... Et ça, ça fait chier, putain. Heureusement que mon coup de pied est parti, MDR. Bon, l'esquive, il y a pas. J'ai pas d'esquive, malheureusement. Ouais, je vais devoir vous piquer comme ça à vous. Hein. Pas le choix, faut que je vous affronte. Merde, putain, je l'ai pas vu. Mais putain, mais qu'est-ce que. À quoi tu joues, PD, va? Descends de ton nuage, putain, connard, là. Cours. Ah, bah, il est mort, là.
Ok. Ouais. Ouais, faut que je les style, putain. Kama, le mieux c'est de continuer à faire le petit tunnel parce que ils sont. En fait, le problème de ce jeu c'est que les ennemis ils sont vraiment. Ils bougent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, bah, des ennemis qui bougent, bah, c'est mon point faible quoi. Que déjà que ma visée c'est de la merde, alors. Plus des ennemis donc. Ouais. Le pire c'est. T'es pas mort toi? Dis-moi que t'es mort là, rassure-moi. Quoi? Voilà, bonne de bâtard. C'est moi où j'ai l'impression de faire ça pour rien. Oh, il se fout de ma gueule, putain. Ouais, merci, putain. Apprenez à crever, putain. De ouf, putain. Ok. Ah, j'ai pas foutu un coup de pied, je suis. Ah, putain, son casse-couille, tellement casse-couille, putain. Ouais, mais vous vous rendez compte, là, j'enchaîne les ennemis, hein, c'est... Pas les plus faciles, putain. Bah quoi, connard, qu'est-ce que tu fous? Mais monte, putain, incroyable! Il se fait bloquer, putain! Par un caillou! Un message de l'aide de lumière avec le rond là, un coup de... Ouais, bien sûr, j'ai été parti avant que tu sautes, mec, mais bon, bref. Ouais. Wow, tout ce qu'il y a. Attends, mais les gars, c'est une première. Regardez, alors là, il y en a tellement que ça va être impossible. Voilà, je tire et je me fais toucher. Regardez ça. Ils vont s'amuser à la balle là. Oh, délire. Oh, il y en a infini, putain. Attendez, je recharge. Oh mais vous pouvez attendre quand même, putain. Attendez un peu que je recharge, merde. Tiens, je vais lancer une grenade au pire. Ouais, comme ça. Ah. Bon, je suis totalement foiré, mais bon. Ça valait le coup, ça a fait de belles petites lumières. Hein. Putain, incroyable. Allez, bon, on balance tout de toute façon. Je pense qu'on va on va devoir commencer. Hein. Hey, encore, eh oui, putain. Eh oui, mais j'arrive pas, je comprends pas, putain. Il est trop difficile ce jeu, putain. C'est un truc de ouf, putain. Qu'est-ce qu'il faut faire là? La lumière de ton cul, de ta mère, ta mère impute aussi là. Ils viennent à l'infini aussi. Putain. Incroyable. J'espère que c'est le dernier lui parce que putain. Laisse-moi respirer un peu, putain. Voilà, ah non, c'est cool, au moins ils viennent pas à la finie. Alléluia! Fils de pute! Bon, alors! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La lumière, éclairer ta mère. Bon, à mon avis, c'est une question de miroir, ça. C'est une question de miroir. Peut-être bouger des miroirs ou il y a un caillou qui gâche la lumière, bordel dans le genre. On vise avec ton arme. Y'a quoi là-dedans? C'est une sorte d'interrupteur. Ah, puis bah oui. Ça va arrêter là. Tiens, les revoilà. Bon, ben, on va quand même en tuer quelques-uns. Je vois que dalle.
Ah, il y a un truc qui s'est illuminé là-bas, ok, c'est cool, mais... Ouais, et... Ah, moi, qu'il faut que je trouve tous les interrupteurs? Il y a quoi là-bas? Il y a un passage où... Ah, il y a un trou là-bas, ouais. Effectivement, je n'avais pas vu. Merde, merde. Et là, ce fils de pute, si je peux l'avoir avec le gun là, ce qui va être difficile. Boum! Bon, évidemment. Quel? Bon. Ouais, apparemment, il faut aller dans les trous et allumer les lumières, quoi. On va dire ça comme ça. J'ai vu un passage ici, j'ai pas rêvé. Ah d'accord. Attends, y'a pas un truc là? J'ai pas rêvé, putain. À moins que c'est de là. Ah bah non, ça c'est bon. J'ai cru que c'était de là que je venais, quoi. Arrêtez de me faire des crochets, vous faites tout chier, je vais tout niquer, je vais tout vous niquer, je vais tout vous niquer, tiens droit, tiens, vous êtes tous bouffés, vous êtes tous bouffés ce soir, toi aussi, je suis en retard toi, putain, vache, il y en a encore un, putain, je recharge. J'ai pas raté. Genre, je te vois de chute. Tu vas où? Tu vas où toi? Tu vas où? J'espère bien que ça fait mal, fils de pute. Voilà, nickel. Ça, je prends, ouais. Prends ton petit flingue, tu courras peut-être plus vite, putain. Un électeur de thérapie dessus? Ben ouais. Logique. Ah génial, de mieux en mieux. Bon enfin ça c'est ici qu'on va se quitter et on va essayer de pas se faire écrabouiller par ce putain de marteau dans la prochaine partie, tu vois.